Guillaume Millet est physiologiste du sport, directeur d'un laboratoire de recherche de 130 personnes, professeur de physiologie de l'exercice et auteur de 5 livres et de nombreux articles scientifiques sur les déterminants physiologiques, neurophysiologiques et biomécaniques de la fatigue, en plus d'être un ancien pratiquant passionné d'ultra-trail, de ski de fond. Guillaume Millet prend le micro pour nous partager ses connaissances dans l'instant outdoor. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Ben, pas plus mal que si c'était pire, et toi ? J'adore cette réponse. Moi, ça va super bien. Il fait beau en Bretagne, c'est important de le souligner. Voilà, il fait pour combien de temps ? Pour combien de temps, c'est ça la question, quoi. Voilà, je crois que demain, ça devrait bien changer. C'est ce qu'ils annoncent en tout cas, et on en profite un maximum. Alors aujourd'hui, Guillaume, on est ensemble pour parler d'un sujet qui personnellement m'intéresse beaucoup. On parle souvent de performance, de gens qui vont aller rechercher certaines capacités, certaines compétences au fur et à mesure de leurs entraînements. Mais finalement, il y a quand même des déterminants de la performance. Est-ce que tu peux nous en parler, Guillaume ? Alors, ça dépend combien de temps on a, parce que c'est un sujet qui est assez compliqué et qui peut être vraiment traité en détail. Et je pense pas qu'on ait toute la nuit, donc on va essayer d'aller droit au but. On peut peut-être essayer de les faire par ordre d'importance. Je sais pas si ça a du sens de faire comme ça, mais on va quand même essayer. Je dirais que dans le trail, comme dans n'importe quelle discipline d'endurance, il y a bien un facteur qui est clé. Et sans lequel on ne peut pas être un bon coureur, c'est ce qu'on appelle, et tout le monde a entendu parler de cette notion, la VO2 max, la consommation maximale d'oxygène. On a coutume de dire que c'est la puissance du moteur de l'athlète. Et si on n'a pas une bonne VO2 max, alors cette VO2 max, elle peut s'entraîner. Donc si je la définis avant de dire si on peut l'entraîner ou pas, c'est la capacité à prendre de l'oxygène dans l'air, à transporter cet oxygène dans le sang. Et puis l'utiliser au niveau des muscles. Évidemment, si on parle de trail, ça va être les muscles des jambes, essentiellement, et puis peut-être un peu les bras si on a les bâtons, mais enfin surtout les jambes. Et donc cette VO2 max, elle est clé, comme c'est le cas en VTT, en vélo, en ski de fond, etc. Malheureusement ou heureusement, ça dépend dans quel cadre vous êtes, dans quel cas vous êtes. Si vous avez bien choisi vos parents, vous avez une chance d'avoir naturellement une grosse VO2 max. Et si vous avez mal choisi vos parents, ça sera pas le cas. Et malheureusement, si vous êtes dans ce cas-là, ben vous n'avez plus qu'à leur faire un procès parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que faire une croix sur gagner les plus grands trails du monde. C'est juste impossible. Voilà. Alors, on peut l'entraîner, rassurez-vous quand même un petit peu. On peut l'entraîner de façon modérée ou un peu plus que modérée. Là aussi, il y a une part de génétique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, quand ils commencent à s'entraîner, ont une assez mauvaise VO2 max et puis qui arrivent finalement à l'améliorer de façon satisfaisante. Et puis, il y en a d'autres qui ont une VO2 max pas terrible. Et puis, en plus, ils ont beau essayer de faire ce qu'ils veulent, malheureusement, ils n'arrivent pas à l'améliorer. Donc, c'est double peine. Donc, bref, il y a cette VO2 max. Ensuite, il y a la capacité à soutenir un haut pourcentage de VO2 max. Donc, c'est bien beau d'avoir un gros moteur, mais si vous n'êtes pas capable de l'utiliser de façon optimale, ce n'est pas terrible non plus. Donc, c'est ce qu'on appelle finalement l'endurance. La capacité à maintenir un haut pourcentage de sa VO2 max sur son trail ou son ultra-trail, c'est la capacité d'endurance. Alors, on pourra revenir en détail là-dessus parce que justement, en fonction de la distance, les capacités d'endurance sont pas, enfin, les déterminants de l'endurance sont pas les mêmes. Mais dans tous les cas, il faut essayer d'être le plus près possible son max sur la distance de course. Et donc, quand on parle d'endurance, quand on parle de sport d'endurance, en fait, on a tort parce que, on a tort évidemment, tout le monde sait ce que c'est qu'un sport d'endurance, mais en fait, l'endurance, c'est une définition bien particulière. C'est vraiment cette capacité à durer un haut pourcentage, un haut régime moteur, on va dire. Et souvent, les gens confondent les capacités aérobies, c'est-à-dire que c'est la combinaison justement de la VO2 max et de l'endurance, ils confondent ça avec les capacités d'endurance. Je ne sais pas si je suis très clair. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Donc la VO2 max, la puissance du moteur, la capacité à maintenir un haut régime moteur. Donc ça, c'est l'endurance. Et puis le troisième facteur clé, il y en a d'autres bien sûr, mais le troisième facteur clé par ordre peut-être d'importance, ou peut-être ça viendra en deuxième, ça dépend, c'est l'économie de déplacement.
Donc, de course, bien sûr, mais aussi de marche. On pourra revenir sur, dans les ultras, notamment l'importance d'avoir une bonne économie de déplacement à la marche. Par exemple, si on parle des Américains, l'UTMB, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Mais en tout cas, encore une fois, c'est bien d'avoir un super gros moteur, mais si en même temps, vous jetez l'énergie par la fenêtre, si vous n'êtes pas économe de vos efforts, c'est pas terrible non plus. Donc, voilà, en général, on a tendance à présenter ces trois facteurs, VO2 max, l'endurance et le coût énergétique de la course ou de la marche. Voilà, les trois facteurs. Et puis après, bien sûr, il y a des paramètres qui sont soit en lien avec ça, par exemple la nutrition, on va dire, c'est en lien avec l'endurance, parce que si on mange mal, on n'est plus capable de maintenir un haut pourcentage de sa VO2 max. Le mental aussi, on peut dire aussi que c'est quelque part une composante de l'endurance. On peut le mettre à part, mais on peut le mettre aussi dans l'endurance, parce qu'il y a des gens qui, dès qu'ils commencent à avoir un petit peu mal, ils vont baisser pavillon, puis il y en a d'autres qui vont être un petit peu plus durs au mal. Je simplifie, évidemment. L'équipement, c'est aussi, ça fait partie du coût énergétique, quelque part. Donc, tous les autres paramètres peuvent être plus ou moins mis dans ces trois facteurs-là, à l'exception peut-être, et encore, des aspects tactiques, ce qu'on appelle le pacing, avoir la bonne stratégie de course, etc. Ça aussi, c'est un facteur déterminant de la performance. Donc, voilà, j'en oublie certainement plein, mais pour un rapide tour d'horizon, je dirais ça. Alors c'est vrai que c'est assez rageant ça quand on voit des par exemple quand j'ai reçu Lucas Papy qui nous racontait que sur sa première course il terminait 30e sur un ultra, je sais plus lequel c'était de mémoire, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette part de d'inné, de génétique. Est-ce que on peut contrebalancer ça ou pas du tout? Est-ce que l'entraînement acharné et stratégique et bien calibré et peut arriver à compenser cette déficience génétique de base? Non, pas complètement. Si vous n'êtes pas fait pour ça, j'ai envie de dire, faites autre chose. Non, parce que vous pouvez quand même vous faire plaisir. Mais si vraiment votre but, c'est de gagner, absolument. Si vous trouvez votre plaisir que dans la gagne et que vous n'êtes pas fait pour les sports d'endurance, vous avez beau vous acharner et passer 20 ans de votre vie à améliorer la performance, vous allez l'améliorer certainement. Enfin, si vous en faites trop, peut-être que vous serez surentraîné et vous allez la détériorer, mais au moins dans un premier temps, il y a des chances effectivement que vous l'améliorez. Tout le monde s'améliore au début, mais c'est pas parce que vous allez vous entraîner autant que François Denne, encore je suis pas sûr que ça soit celui qui s'entraîne le plus, mais autant que Kylian, on va dire, que vous allez arriver au niveau de Kylian. C'est évident, c'est-à-dire que c'est vraiment les capacités génétiques. Et pour alors peut-être pour l'endurance, on peut gagner un peu plus, pour l'économie de déplacement, on peut aussi s'améliorer sans doute, mais pour la VO2 max, mais pas complètement, et en tout cas pour la VO2 max spécifiquement. Là, si on n'a pas les bons gènes, si on n'a pas les bonnes fibres musculaires, on peut pas être un très bon coureur de long, d'ultra par exemple, si on n'a pas les fibres musculaires adéquates, c'est-à-dire les fibres musculaires résistantes à la fatigue, etc. Alors quand on s'entraîne, on va pouvoir modifier un petit peu son pool de fibres musculaires, ça c'est pas immuable, il y a des changements de ce qu'on appelle la typologie musculaire qui peuvent survenir, sauf qu'ils surviennent ces changements à une vitesse, on va dire c'est 1% par an quoi. Donc vous imaginez, si vous voulez gagner 20% de fibres lentes, c'est 20 ans. C'est à peine caricaturé, c'est vraiment ça. Donc après, il y a plein d'autres choses qui changent plus vite, mais au final, non, si vous n'avez pas les bons gènes, vous pourrez être un bon coureur, un honnête coureur, mais vous ne pourrez pas être un champion. C'est juste pas possible. Et inversement, c'est pas parce que vous avez les bons gènes que vous serez nécessairement un champion. Il y a trois choses, hein. On a coutume de dire que dans la performance, il y a trois choses pour être vraiment performant. Il y a un, il faut les bons gènes. Deux, il faut s'entraîner beaucoup, ces fameuses 10 000 heures d'entraînement pour être un athlète élite. Et puis trois, il faut avoir l'envie de faire ça. Il y a des gens qui sont des bons athlètes, qui dès qu'ils ont les bons gènes pour ça, dès qu'ils s'entraînent, ils vont progresser, etc. Puis finalement, ça leur plaît pas tant que ça. Ces gens-là, ils peuvent peut-être performer sur un temps court et puis après ils arrêtent assez vite. Je voyais l'autre fois, j'écoutais une interview là sur Europe 1 j'écoute pas Europe 1 habituellement, mais là je suis tombé dessus par hasard sur YouTube de Laure Manaudou qui a fait évidemment une super carrière, mais qui disait qu'elle avait jamais aménagé en fait. Ce qu'elle aimait, c'est gagner. Elle aimait pas nager. Il y a un assez grand nombre d'athlètes, je crois, qui sont dans ce cas-là. Alors peut-être moins dans nos sports parce qu'il y a
je pense que la plupart des athlètes, c'est quand même autre chose de faire un trail que de compter les carreaux au fond d'une piscine. Mais dans des sports, en tout cas, ça existe. Ouais. Même en ski de fond, je connais des, en biathlon, je connais des gens, le jour où ils ont arrêté leur carrière, ils n'ont plus jamais mis les pieds sur des skis ou presque, quoi. Donc ça, c'est étonnant quand même. Ça, c'est... On dévie un petit peu, mais bon, peu importe. Non, mais c'est pas grave, on est là pour ça. Comme je te le disais en préambule, chez moi, la digression est reine. Il n'y a aucun problème à dévier. Mais souvent aussi, c'est peut-être... on l'a su justement pour Laure Manaudou à cause de la pression d'un entraîneur aussi qui peut, inciter à cet entraînement acharné malgré et des fois contre son envie. Nos enfants, comment est-ce qu'on peut les habituer en fait à cet entraînement? Est-ce qu'il y a des choses comme ça particulières à faire dans l'enfance pour ne pas contrebalancer leur performance à eux à leur âge et qui ne serait pas néfaste pour la suite? Tu parles de quel sport de trail? On parle toujours de trail. Sport d'endurance, vélo, les sports que peuvent pratiquer les adolescents, la course à pied, l'athlétisme. Le vélo aussi, le cyclisme peut commencer, je crois, vers les 6-7 ans, on peut commencer à avoir des vélos de route. Là encore, on peut reprendre l'exemple de Kylian. Hein. Lui, je pense pas que ses parents aient envie qu'il soit un champion de course tout de suite. Ils sont juste baladés parce qu'ils habitent en montagne. Donc, faire découvrir la nature, faire peut-être aimer la nature dans le trail, ça peut être une très bonne chose. Donc avoir des parents actifs qui emmènent les enfants en montagne ou sur les chemins pour marcher, ça c'est une première chose. Faire le plus d'activités différentes, c'est pas absolument nécessaire, mais des enfants qui auraient la chance d'être emmenés par leurs parents. Alors, je parle des gens qui habitent pas forcément la montagne, mais qui vont plusieurs semaines par an faire du ski alpin, ski de fond, etc. Ça serait une chance. Des parents qui emmènent leurs enfants faire du VTT le week-end, c'est une grande chance aussi. Enfin, là, on parle entre, personnes, j'allais dire fortunées, non, mais chanceuses. Quand on est capable de faire tout ça, c'est que ça va bien en général, c'est qu'on est tombé dans la bonne famille. Mais bon, il se trouve qu'entre elles, il y a quand même beaucoup de gens qui ont de la chance, qui sont dans ce cas-là. Donc, il faut juste en avoir conscience et puis savoir l'apprécier. Et puis, c'est pas la peine de culpabiliser, mais c'est bien d'en avoir conscience quand même. Donc voilà, faire du ski pour les questions d'équilibre ou du VTT pour des questions de trajectoire en descente, voilà. Mais surtout pas les inciter à faire des courses. Alors l'athlétisme aussi, tu as parlé d'athlétisme, c'est vrai que pour des raisons un peu différentes. Donc là encore, c'est une autre corde à leur arc de dire on va travailler plutôt la foulée. Après, si on veut gagner l'UTMB, je ne suis pas sûr que ce soit absolument nécessaire d'être un très bon pistard, mais en tout cas, ça ne peut pas nuire de savoir courir vite. Si on est capable de faire tout ça, et puis le reste, hein, c'est-à-dire que moi, je vois absolument aucun obstacle, voire même l'inverse, à faire aussi un peu de sport co, savoir nager, etc., faire un peu de triathlon, enfin bon, c'est le plus varié possible, on va dire. La nature est au niveau habileté technique et discipline que l'on pratique dans l'enfance, le plus varié possible, sans aucune pression du résultat, parce que le trail, c'est quand même une discipline, même si on a des contre-exemples de jeunes qui ont gagné des courses longues à 20 ans, c'est quand même plutôt une discipline à maturation tardive. Donc, aucune pression, évidemment, pour que les jeunes soient forcément bons. Parce que quand tu disais, il faut sans que ça les empêche d'être bons, non, c'est pas ça l'objectif. À la limite, s'ils sont trop bons, trop jeunes, c'est pas forcément une très bonne chose. C'est-à-dire que moi, je faisais du ski de fond quand j'étais jeune. On n'a quasiment pas vu de champions seniors qui étaient les meilleurs dans les catégories minimes ou cadets. Ça n'existait quasiment pas, pour pas dire pas. Donc, parce que souvent, les gens qui étaient bons jeunes, c'est qu'ils avaient des parents ou des entraîneurs justement qui les poussaient un peu sur la compétition trop vite. Et puis derrière, soit il y avait une usure psychologique, soit ils avaient une usure même physiologique qui faisait que quand c'était le moment de réellement remettre une couche et de s'entraîner vraiment pour être performant à l'âge adulte, ils n'étaient plus là, quoi. Donc, surtout pas ça, le plaisir, et puis les habiletés motrices diverses et variées. C'est l'histoire de... Il y a des fois des choses qui sont un peu discutées, par exemple le fait que si on s'entraîne pas de façon relativement intense à l'adolescence, on va pas optimiser son potentiel aérobie. Tu as peut-être entendu parler de ça. Moi, ça c'est un peu des conneries. Je pense que si on
déjà, si on va s'entraîner en montagne, enfin, si on va marcher en montagne, qu'on fait du VTT, naturellement, les enfants, quand ils ont envie de forcer, ils forcent, hein, ils n'ont pas besoin de faire des séances d'intervalle, ils font naturellement des intervalles. Donc, juste les laisser faire, les laisser jouer, s'amuser à se tirer la bourre entre eux en VTT, ça va venir naturellement, il n'y a pas besoin de les entraîner pour ça. Et puis, même si, admettons que ce ne soit pas leur tempérament et qu'ils soient un peu coolos, le jour où ils s'y mettent vraiment, s'ils ont envie, ça viendra. Ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas fait à 13, 14, 15 ans qu'on a gâché son potentiel, ça, c'est pas vrai. Soit on l'a le potentiel, soit on l'a pas. Mais si on l'a pas, on a beau s'entraîner comme une bête à 15 ans, ça viendra pas par opération du Saint-Esprit. Alors justement, pour s'il y avait peut-être une chose à développer qui serait vraiment primordiale pour devenir plus performant, est-ce que développer sa VO2 max, ce serait vraiment la chose à faire en priorité si on voulait gagner en performance? Alors, je sais que ça va dépendre de chaque individu, etc. Mais si on essayait de généraliser un petit peu. Si on parle de coureurs matures, non, parce qu'en fait, assez vite, on atteint son maxi en VO2 max. Il faudrait vraiment que ce soit que des gens qui aient fait… qui a fait de la rando ou des voilà rien de très intense pour qui aient encore de la marge de progression. Après, c'est plutôt une histoire de continuer à faire des séances un peu intenses pour éviter de la perdre trop vite avec l'âge. C'est plutôt ça qu'essayer de gagner. Alors, on peut gagner peut-être sans doute quelques pourcents dans les bonnes séances, mais je ne crois pas que ça soit là-dessus qu'on puisse espérer les meilleurs gains. Non, on peut espérer plutôt sur l'endurance en étant capable de maintenir, comme je disais tout à l'heure, un plus haut pourcentage de sa VO2 max. Et notamment quand on, alors ça dépend, là, il faut rentrer un petit peu plus dans le détail. Ça dépend justement de quel trail on parle. Est-ce qu'on parle de trail court ou d'ultra? Dans les deux cas, on peut gagner en endurance, mais ce sont pas les mêmes facteurs sur le trail court. Il faut faire des séances intenses, mais plutôt, c'est ce qu'on appelle les séances au seuil, là. Mmh. Où là, tu vas réussir à gagner, à rester haut dans les tours pendant ton 40, 30 ou 40 kilomètres. Et puis après, quand on parle d'ultra, quand on va s'entraîner, notamment quand on va faire des séances longues, des week-end chocs, ce genre de choses, là, on va plutôt gagner en, on pourrait appeler de façon un peu simplistique en solidité musculaire, c'est-à-dire qu'on est plus résistant aux dommages musculaires et donc on va pouvoir enchaîner un peu les descentes sans perdre trop, sans avoir trop mal aux cuisses et ça c'est hyper important. Donc c'est plutôt sur cet aspect-là, je dirais qu'on peut gagner le plus. Et puis après en économie, c'est-à-dire qu'on va être plus économe de ses efforts, donc on va être pour parcourir une distance donnée, on va dépenser moins d'énergie, donc évidemment ça c'est bénéfique. Puis mentalement aussi, on peut progresser, tactiquement, on va progresser, on fait moins d'erreurs d'alimentation. Il y a tous ces aspects-là. En général, quand on vieillit, ou quand on prend de l'âge, on va le dire de façon un peu plus soft, on gagne plus en VO2 max, voire on perd un petit peu, mais on arrive encore à compenser avec ces choses-là, ce qui fait qu'on arrive à maintenir un plateau de performance qui est, ça va, on redescend pas tout de suite, quoi. En général, ça se passe comme ça, on commence le trail, on va améliorer ses performances sur les 3-4 premières années, puis après, il y a une espèce de plateau. Puis après, on va descendre, mais très progressivement avant de, bon, après un certain âge, ça descend un petit peu plus vite, mais donc on peut réussir à se maintenir bon an mal an à son optimum, mais en jouant un peu sur des paramètres un peu différents, quoi. Alors, personnellement, je compte plus le nombre de coureurs plus âgés que moi que je double au début de course et qui me redouble avec leur petite foulée au bout de 50 km. Mais peut-être que si tu partais plus doucement, ça veut pas dire que si toi tu partais plus doucement, tu ferais une meilleure performance parce que tu as peut-être des armes différentes d'eux et chacun joue un peu avec ses armes aussi. J'en sais rien, hein, peut-être que tu fais des erreurs de pacing, mais peut-être pas. Ça se trouve, c'est juste. Ce qui te correspond, et parce que peut-être tu es plus jeune qu'eux et que plus tard ça sera un peu différent. Si, c'était clairement au début que je partais trop vite. Ça aussi, ça s'apprend avec l'âge. Ça s'appelle la raison. Exactement. Alors, justement, quel est cet âge où on atteint ce petit palier? Est-ce qu'il y a un âge qui est identifié ou c'est propre à chacun? En moyenne, c'est autour de 30-35 ans qu'on est. Plus performant sur les trails, notamment les trails longs, mais comme on le sait avec Scott Jurek, Kylian Jornet, etc., on peut gagner des ultras de 100 miles à 20 ans. Hein. Donc, mais en moyenne, c'est quand même un peu plus tard que ça. Pas tellement parce qu'on peut pas être plus performant plus tôt, la preuve. Si on veut s'entraîner, c'est-à-dire que c'était même le cas avant sur marathon, c'est-à-dire qu'avant on disait
quand il y a 20 ans en arrière, on disait ouais, le marathon, pas avant 30 ans, voire 35 ans, etc. Je ne parle même pas des ultras, hein, marathon, je parle des marathons. Et maintenant, on voit bien qu'il y a des champions du monde qui ont, je ne dis pas de bêtises, mais je crois qu'il n'y a, a pas si longtemps, un champion du monde qui avait 18 ans ou 19 ans. Donc, c'est tout à fait possible. Sauf que c'est pas tellement que l'on, c'est pas possible de performer tôt sur le long. C'est que quelque part, naturellement, peut-être les jeunes ont envie de s'éclater, de courir un peu plus vite. Ils n'ont pas envie de s'embêter, entre guillemets, sur le long. Ou là, ben justement, si on est jeune et qu'on peut partir sur du long, ben on est peut-être un peu foufou et on fait peut-être les erreurs que tu décrivais juste à l'instant. Donc, les jeunes, ils ont peut-être envie de s'éclater, d'aller vite en descente, etc. Et donc, ben ça, c'est pas tellement compatible avec l'ultra. Et puis après, progressivement, ben ils vont moins vite par la force des choses. Et donc, du coup, on prend goût plutôt au long. Mais si on est carré, que l'on s'entraîne pour, qu'on a quand même envie de faire du long, on peut être fort plus jeune que 30-35 ans sans problème. Plusieurs exemples célèbres qui nous l'ont montré. Donc ça, c'est physiologiquement, c'est tout à fait possible. Ça ne veut pas dire qu'à 20 ans, on se met à l'ultra et puis en 6 mois, on va gagner l'UTMB. Non, il faut aussi se préparer. C'était un peu ce qui était arrivé avec Kylian Jornet. Hein. Quand il est arrivé, personne ne le connaissait. On se disait comment c'est possible, quoi. À l'époque, c'était vraiment en 2008, là, quand il a gagné son premier UTMB. Je crois que c'était 2008. On se disait comment c'est possible de gagner si jeune, quoi. Et en fait, on a appris que effectivement, la préparation musculaire, la solidité des fibres musculaires, il l'avait acquise en faisant en montagne avec ses parents et puis en allant à l'école en marchant, etc. etc. Donc, c'était déjà, musculairement, c'était déjà plus un gamin de 20 ans. Ah, c'est sûr, quand tu fais son premier 3000 à 4 ans, c'est ça. On a tout dit. Ça aide un petit peu, évidemment. Il avait fait, tu vois, c'était un, avec la VO2 max élevée qu'il a, s'il avait été coureur de 800, je ne pense pas qu'à 20 ans, il aurait gagné l'UTMB, tu vois. Alors, est-ce que tu peux détailler... Il était très bon techniquement en cross, etc. À mon avis, ça n'aurait pas fait si vite. Oui, d'accord. Si toute son adolescence, il avait fait des courses rapides. Que des courses rapides, pas de long en montagne, etc. Et je pense qu'il ne l'aurait pas fait aussitôt. Après, quand on est doué, on est doué. Et puis, il était tellement, à l'époque, surtout, il était tellement au-dessus du lot que, bon, il craignait pas grand-chose. Mais c'est intéressant quand on voit le. Alors, moi, je ne connais pas les chiffres, hein, en tout cas ceux de François Denne, la VO2 max de François Denne, par exemple, par rapport à celle de Kylian, mais c'est assez évident qu'ils n'ont pas du tout les mêmes. On parlait des déterminants de la performance, qu'ils ne sont pas les mêmes déterminants de la performance. On va dire qu'ils sont de niveau sensiblement identique, mais avec des qualités et des faiblesses relatives, hein, bien sûr, quand on parle d'eux, mais qui sont différentes. Je pense que François a une VO2 max qui est bien inférieure à celle de Kylian, mais sans doute une endurance qui est supérieure. Donc, c'est intéressant. Donc, ça voudrait dire que je ne sais plus combien il est, mais je crois que c'est juste en dessous des 30 minutes Kylian Jornet au 10, quand il avait fait son 10 en Norvège. C'est pas sa valeur, pardon, je te coupe, mais c'est pas sa valeur. Sa valeur, c'est kilomètre vertical. C'est là-dessus qu'on voit ce qu'il vaut. Parce que 30 minutes aux 2 km, franchement, c'est pas terrible. Enfin, j'aimerais bien les faire, hein, je te le dis tout de suite, mais même quand j'étais jeune, j'aurais bien aimé les faire. Mais franchement, c'est pas terrible du tout. Donc, les Kenyans, ils sont, tu sais comme moi, hein, c'est 26 et quel. Donc, c'est vraiment loin, loin du compte. Par contre, sur un kilomètre vertical, il s'est jamais entraîné sur la route. Donc, c'est normal qu'il puisse pas aller très vite. Donc, non, c'est kilomètre, il faut regarder kilomètre vertical. Il faut regarder ce que vaut qu'il. François Denne, peut-être tu le sais, je ne pourrais jamais regarder, je ne sais pas s'il a déjà fait trop des kilomètres verticaux par rapport à Kylian, mais à mon avis, il y a un gap entre les deux. On pourra regarder, j'ai jamais pris la peine de le faire, puisqu'on en parle, je vais le faire dès qu'on aura terminé. Et ben voilà. donc, ce que tu nous dis, dans ce que je comprends, c'est que pour progresser et du coup améliorer ses propres performances, l'entraînement au fractionné 10 fois 30-30 autour d'une piste, c'est pas ultra nécessaire pour un trailer. Si, il faut le faire un peu pour essayer de se maintenir, justement, parce que si on le fait pas, on risque de perdre. Mais ce que j'ai dit, c'est qu'on n'allait pas gagner. D'accord. Mais qu'il faille pas le faire alors autour d'une piste ou pas autour d'une piste, hein, je pense pas que ça soit absolument nécessaire d'aller autour d'une piste. On peut le faire tout à fait dans les chemins, faire du fartlek autour de chez soi, faire les montées à fond, les descentes tranquilles, ça va très bien pour faire de l'intervalle. Et puis il n'y a pas besoin de faire 30-30. Moi, je crois que ce qui est important, c'est effectivement de faire du travail intense, de maintenir du travail intense.
Mais après tout, qu'on fasse 30 secondes, enfin 30 secondes, c'est peut-être un peu court pour des gens qui sont entraînés, mais qu'on fasse 2 minutes ou 3 minutes ou 4 minutes avec la récup adéquate, dans les faits, ça ne change pas grand-chose. Il faut juste en faire un peu, savoir remonter dans les tours de temps en temps, notamment en début de saison, etc. Donc, si on va, c'est pour aller chercher de l'optimisation, en fait, si on va aller chercher vraiment des durées spécifiques à une certaine intensité ou à une certaine fréquence cardiaque, certain pourcentage de VO2 max, c'est comment? Je vais te dire le fond de ma pensée. Pour moi, alors je sais que ça va faire hurler les spécialistes, mais ça fait rien, je vais le dire quand même. Pour moi, c'est un peu de la pignolade de dire non, attention, il faut faire 3 minutes à 85% et non pas 4 minutes à 82%. Hein. C'est plus utile de faire 3 minutes à 85%. Hein, pour moi, ça, c'est de la couille. Personne ne sait vraiment ce qu'il faut faire, mais je peux me tromper. Puis, je ne suis pas un entraîneur, moi, donc ça se trouve, j'ai tout faux. Mais je ne vois pas trop physiologiquement ce que ça change fondamentalement de. On n'est pas aussi précis que ça. Ce qu'il faut, c'est faire effectivement du travail intense. Après, t'as des seuils quand même, ce qu'on appelle des domaines d'intensité où il faut aller chercher des intensités sévères, modérées, etc. L'entraînement polarisé où voilà, il faut aller chercher quand même dans les tours. Donc ça c'est valide, c'est vrai. Mais après, de dire on va être à 95 ou à 92% de VO2 max sur 40 secondes ou 50 secondes, pour moi, ça change pas grand-chose. Moi, je pense que ceux qui, parce que je m'entraîne pas du tout comme ça non plus. J'aime pas avoir le regard sur la montre. Et puis en plus, je trouve que c'est contre-intuitif par rapport à l'effort qu'on va faire derrière, où il faut justement écouter son corps et son sentiment par rapport à son état de fatigue, son état de forme, etc. Mais je pense que les personnes qui font ça, ça les rassure dans leur entraînement. Et c'est tout. Je les appelle moi les ingénieurs du trail. Ouais. S'ils pensent qu'ils ont raison de faire ça, ils ont raison de faire ça. C'est l'effet placebo. Hein. Donc, s'ils pensent que sans ça, ils n'y arriveront pas, eh ben, faut surtout pas qu'ils arrêtent, ça, c'est certain. Je te dis juste que c'est pas non plus ma vision des choses. Donc, il en faut pour tous les goûts. Hein. Si les gens, ils aiment faire de la piste parce que ce sont des anciens pistards et que s'ils font pas leur entraînement sur piste en début de saison, ils sont perdus, ben, faut surtout pas qu'ils arrêtent parce qu'ils sont perdus pour de vrai. Mais voilà, c'est juste l'effet placebo, à mon avis. C'est intéressant d'avoir ces avis divergents sur la pratique de l'entraînement, parce que encore une fois, il n'y a pas qu'une seule façon de faire, il y a des millions de profils aussi de coureurs différents, et puis chacun fait comme il veut, comme il peut aussi des fois. Moi, ce que je propose, c'est simple, donc c'est tout le monde peut le faire s'il a envie. C'est-à-dire que tu t'embêtes pas avec les chronos, les intensités, les fréquences cardiaques. Tu fais un peu plutôt au feeling. Ou voilà, il faut que tu montes dans les tours et puis que tu n'arrives plus trop à ventiler, parce que ça veut dire que tu es au-dessus du seuil et que voilà, ça devient dur, et que tu fais ta séance ou si tu as prévu 10 fois 3 minutes par exemple. Et si ta montée elle fait que 2,30, ben ça fait que 2,30, c'est pas grave, et tu redescends à chaque fois, mais qu'il faut que tu arrives à faire tes 10 montées, puis qu'à la 10e ça soit hyper dur, et que tu ailles à peu près aussi vite qu'à la première. Enfin, ça peut être c'est quand même des repères, c'est pas n'importe quoi non plus, c'est pas je fais la première à bloc et puis la dernière je rampe pour monter, non, ça marche pas non plus. Donc il y a quand même évidemment des fondamentaux à respecter, mais c'est pas pour dire la première je vais être à 182 pulses et puis si je suis à 179 j'ai foiré ma séance. Voilà, c'est plutôt ça, quoi. Après c'est les questions de passer aussi. Moi je suis un ancien sportif d'endurance dans le sens outdoor. J'ai fait du ski de fond, j'ai fait des raids multisports et puis après du trail et de l'ultra, mais j'ai aucun passé de pistard et de il suffirait de me voir courir pour s'en rendre compte. Mais c'est, donc, les gens qui viennent de l'athlée, forcément, ils auront un avis différent et grand bien leur face, si c'est ça qu'ils aiment. Et puis de la route aussi, c'est un peu les mêmes souvent, mais c'est. Voilà, comme tu as dit, il en faut pour tous les goûts et c'est très bien ainsi. Pas qu'une façon de faire. Voilà. Maintenant, ça veut pas dire que quelqu'un qui, par exemple, qui serait rassuré en faisant de la piste et qui peut-être ferait un peu différemment, à condition qu'on lui explique et puis que ça, justement, comme on disait, que ça le mette pas dans tous ses états de pas avoir fait comme il a fait depuis plusieurs années. Si on prend le temps de lui expliquer, ça veut pas dire qu'il améliorerait pas ses performances. Et inversement, peut-être que moi, si je faisais un peu de piste, enfin, maintenant je ne fais plus trop, mais à l'époque, peut-être ça m'aurait fait du bien aussi, parce que aussi l'habitude, c'est quand même l'ennemi du sport, enfin l'ennemi de beaucoup de choses, mais l'ennemi du sportif aussi. Il faut savoir un peu surprendre l'organisme si on veut améliorer
certains aspects de la performance, puisqu'on parle dans ce podcast de déterminants de la performance. Donc, la routine, c'est pas une très bonne chose en entraînement. Il en faut un peu, hein, il faut quand même répéter les choses. On sait très bien que l'entraînement, c'est aussi répéter les choses, mais pas forcément répéter toujours la même chose. Il faut une certaine charge d'entraînement. Sans entraînement, on peut pas y arriver, ça c'est certain. Mais si on fait toujours la même chose, au bout d'un moment, on plafonne. C'est une vérité assez connue et assez simple à comprendre, je pense. Et ça, ça je l'ai vraiment expérimenté cet aspect-là à force d'interviewer des athlètes élites qui te disent tous qu'ils font du vélo ou du ski de fond en plus de la course à pied. Bah, je m'y suis mis au vélo, pas de ski de fond parce qu'en Bretagne il n'y a pas de neige, mais ça a fait un vrai gap en fait, le fait d'ajouter en fait une activité diverse. Donc ça aussi, ça peut être un des déterminants de la performance, savoir pratiquer un autre sport et puis ne pas tout le temps rester focus sur un seul et même sport. Ouais, alors là, c'est encore un peu différent parce que là, on parlait de course à pied avec différentes façons de pratiquer la course à pied. La piste, la route, le trail, etc. Là, tu parles d'entraînement croisé qui est encore un autre aspect, mais puis bien sûr, c'est lié, qui est, oui, l'entraînement croisé, pour moi, c'est absolument indispensable quand on est un coureur. Je pense qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui sont de cet avis-là maintenant, il doit bien y avoir encore des entraîneurs qui pensent que courir, c'est un coureur, il doit courir. Mais je pense qu'il n'y en a plus beaucoup quand même maintenant, j'en sais rien, je dirais ça comme ça. J'avais entendu un entraîneur dire « les Kenyans ne font pas de vélo ». Oui, c'est vrai. C'est vrai, maintenant, ouais, non, c'est une très bonne remarque, effectivement. Mais bon, après, est-ce que les Kenyans, ils ont tous des carrières comme Kipchoge? Je ne suis pas sûr, il y en a aussi beaucoup qui courent beaucoup et qui font faut regarder ça aussi, la durée des carrières des Kenyans. Je sais ce qu'ils sont... parce que là, les gens qui nous écoutent, bon, il n'y aura pas beaucoup de Kenyans, je pense, quand même, globalement. S'il y en a, on les salue. Je suis pas sûr, mais s'il y en a, on les salue. Salut les gars. Mais même pour eux, faire du vélo, ça se trouve que ça ne serait pas forcément une mauvaise idée pour durer un peu, parce qu'il y a aussi cet aspect-là. Moi, je vais te dire qu'à l'inverse, Kylian Jornet, il ne court pas 6 mois de l'année, et puis c'est le meilleur trailer au monde, ou un des meilleurs au monde. Donc, voilà le contre-exemple. Il ne fait pas de vélo, enfin, il doit faire un peu de vélo, mais il fait surtout du ski. Mais voilà, les Kenyans ne font pas de ski. C'est normal. Mais là, on parle de gens qui n'ont pas comme objectif aussi d'être forcément... hyper performant sur 2-3 ans et puis s'arrêter. Et ce sont des gens qui font du trail, ils ont envie, la plupart des gens, ils ont envie de faire du trail pendant un assez grand nombre d'années, le plus longtemps possible, de se faire plaisir, d'aller en montagne, de courir l'UTMB. Et donc, pour eux en particulier, si on veut durer un peu, c'est quand même bien de s'économiser, ne serait-ce que d'un point de vue articulaire, tendineux, etc. Et donc, pour ça, l'entraînement croisé, c'est quand même pas mal. C'est pas qu'une histoire de performance. C'est une histoire de performance, mais sur le long terme. Eh bien, c'est très riche déjà après cette petite demi-heure de déterminant de la performance. Est-ce que tu verrais quelque chose à ajouter pour préciser certaines choses ou un autre petit truc, astuce, je ne sais pas, quelque chose que tu aurais ajouté qu'on n'aurait pas encore dit? Non, mais des choses à ajouter, il y en aurait. Je te dis, on peut y passer la nuit sur les déterminants de la performance. On n'a pas parlé de nutrition ou vraiment très brièvement. On n'a pas parlé de préparation mentale. On a juste mentionné le truc. Bon, là, pour le coup, je suis vraiment pas la bonne personne à interviewer pour ça, mais c'est évidemment quelque chose d'important, hein. Quand on parle de déterminants de la performance, c'est clé aussi. On pourrait parler du matériel en détail. Ça fait partie, je t'ai dit, du coût énergétique, mais pas que. On pourrait parler, par exemple, de... J'avais publié un truc en disant est-ce qu'il faut vraiment chercher à être le plus un papier où il disait est-ce qu'il fallait vraiment chercher le plus économique possible ou est-ce que parfois il faut accepter d'être un petit peu moins économique pour améliorer sa performance. Et je prenais plusieurs exemples, notamment des bâtons. Si on prend des bâtons, c'est sûr que notamment si on ne sait pas s'en servir, mais même si on sait s'en servir, ça pèse un peu moins maintenant parce que les bâtons sont très optimisés et ça pèse plus rien, mais il n'empêche que ça pèse quand même un peu et donc comme ça pèse un peu, forcément, on est moins économique. Ça, on peut pas beaucoup, mais on est un peu moins économique. Sauf que comme en prenant les bâtons, on va économiser ses jambes, au final, on va gagner sur l'endurance, justement, et on va être plus performant. Donc, il y a quelque part des compromis à trouver aussi entre tous ces déterminants de la performance
pour avec l'idée de dire voilà, qu'est-ce qui pour moi est le plus important et qui va me permettre d'avoir la combinaison optimale pour être le plus performant possible. Et il faut pas aller regarder ce que font les champions pour ça. Parce que typiquement, pour rester sur l'exemple des bâtons, il se trouve qu'il y a quand même beaucoup de champions qui voilà, François Denis en premier, qui quand même court avec les bâtons, sur les longs au moins. Et puis il y en a d'autres qui le font pas, comme Kylian, hein, je crois qu'il a pas de bâton, ou pas toujours en tout cas, de moins en moins. Et donc, certains coureurs de plus faible niveau pourraient être tentés de dire, bon, ben, si Kylian n'a pas de bâton, pourquoi moi je prendrais des bâtons? Sauf qu'ils n'ont pas compris que Kylian, lui, effectivement, il peut se permettre d'avoir musculairement, il peut tolérer, se passer de s'économiser au niveau musculaire avec ses bâtons parce que, pourtant, il sait s'en servir, lui, hein, c'est un skieur. Donc, s'il y a bien quelqu'un qui sait servir ses bâtons, c'est lui. Mais il peut peut-être, effectivement, s'en dispenser. Mais 95, pour pas dire 99% des coureurs sont pas dans ce cas-là. Et donc, regarder ce que font les champions, ça peut être un risque aussi. Même chose au niveau du matériel, au niveau des chaussures, par exemple, au niveau de la nourriture, au niveau de, voilà, ce qui est, c'est vraiment tout ça, c'est personnel. Quand on a dit ça, on a tout dit et rien dit, parce que après, pour trouver la bonne combinaison, bah, il faut creuser, ça s'appelle l'expérience, hein, tout simplement. Et puis, il faut pas hésiter à se faire aider de gens qui connaissent la discipline. Et notamment sur le long, il y a quand même pas mal de choses où on peut gagner du temps quand on s'adresse à des gens qui connaissent le sport, quoi, qui connaissent l'ultra. C'est vrai qu'il y a toujours, des paramètres à ajuster dans sa pratique, et c'est un beau mélange en fait de plusieurs compétences à acquérir. Je trouve ça vraiment intéressant de se dire, bah tiens, cette année par exemple, je vais progresser sur tel ou tel domaine, je vais essayer de m'améliorer là-dessus, et puis quitte à peut-être des fois mettre un peu le reste de côté, on va progresser comme ça au fur et à mesure, mettre chaque pièce comme ça. Tu peux très bien imaginer quelqu'un qui a commencé par le UTMB, enfin maintenant on ne peut plus commencer par le UTMB, il faut des points, mais qui sont trucs, que ce soit les courses longues, et puis finalement il a réussi à faire des courses longues, ça lui plaît, etc. Puis de se dire, bah non, cette année je vais faire un break, justement, je vais me consacrer que sur des courses très courtes pour gagner, améliorer un peu la puissance du moteur, même si j'ai dit qu'on pouvait gagner seulement à la marge, mais ça ne fait rien, voilà, gagner un peu en dynamisme, en pêche, et puis donc je coupe sur le long pendant un an voire deux ans, et puis je reviendrai plus fort sur les courses longues. Mais je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font ça. Et idéalement, peut-être c'est ce qu'il faudrait faire. Déjà, il faudrait couper. Alors, on n'a pas parlé de ça aussi. On n'a pas parlé de la gestion de la saison. On n'a pas parlé de la gestion de la semaine qui précède la course. Quand on parle de déterminants de performance, ça en fait aussi partie. On n'a pas parlé du sommeil, par exemple. Donc, quand je te dis qu'on peut en parler pendant des heures, c'est la vérité. On pourrait en parler pendant des heures, mais je pense pas que ce soit le but aujourd'hui. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, donc il y a aussi c'est ce qu'on fera au fur et à mesure de tous les épisodes du podcast. Pour terminer, on peut. Il y a l'optimum, ce qui ferait peut-être le mieux pour la personne, et puis après, il y a ce que la personne a envie de faire. Et comme on n'est pas professionnel, ben on fait surtout pour se faire plaisir, et c'est très bien comme ça. Et ben écoute, moi je trouve que c'est un très beau message de conclusion. merci beaucoup Guillaume pour ce premier épisode ensemble, et puis si, en fonction du moment à laquelle vous écoutez cet épisode, et bien il y en a peut-être d'autres avec Guillaume, et puis je vous invite aussi à aller les écouter pour poursuivre nos conversations. D'accord. Merci beaucoup Guillaume et à bientôt. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité, et à très très bientôt dans un prochain épisode.